Jean-Christian Valentin, chapeau. Il manque le pouvoir d'achat, qu'on fasse un Grenelle de l'environnement. Un Grenelle du pouvoir d'achat. Pour aider toutes les familles qui meurent de faim. Trop de familles ont le 10 de chaque mois, le placard qui est vide, le frigo qui est vide. Il faut nous rendre notre argent. Voilà. Et à partir de là, je pense qu'on réussira à faire des bonnes choses. Il faut revoir aussi toute la fiscalité, toute la dette. Aujourd'hui, il faut créer des richesses dans le pays. Il faut que les gens vivent de leur travail. Et malheureusement, aujourd'hui, rien ne se fait. Voilà. Il faut vraiment, vraiment qu'on bouge. Donc voilà, c'est pas normal que ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà. Donc encore un combat qu'on doit mener. Voilà. Bon, on va arriver là. Ça repart pour une soirée. Oui, ils ont changé un peu le parcours, on dirait, à la fin. Ils ne voulaient plus de parquer là qu'il y avait les CRS. Déjà, à un moment ou l'autre, ils veulent être tranquilles. Ils ont beaucoup marché ce matin. Il faut après les sentir. On a juste un message pour Sébastien. On recherche la famille de Sébastien, le jeune homme qui s'est fait exploser la main ce matin. On voudrait vraiment savoir qui, que ça fasse le tour. Voilà, le pauvre garçon, on est tout cœur avec lui. Elle a chanté tout à l'heure, vous.